Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver ce vendredi dans une nouvelle émission de Juste à temps sur TLMB. Alors aujourd'hui, on se trouve à Nimy, pas très loin de l'ancienne gare. Peut-être le lieu vous paraît étrange, mais on va rencontrer des personnes un petit peu étranges, du moins surprenantes, avec beaucoup de talent. Aujourd'hui, c'est le collectif La Flamme Noire que j'aurai l'occasion d'interviewer, notamment Sébastien, que l'on appelle aussi Jack Sparrow. Je vous en dis pas plus, générique, on parle tout de suite. Eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Sébastien, alias Jack Sparrow, à côté de moi. Salut Sébastien. Salut, comment tu vas? Super, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Hein. Ah, merci, c'est gentil. Alors, tu vas nous présenter La Flamme Noire, collectif assez sympathique, une bande d'amis qui s'entendent bien. Une bande d'amis, sous La Flamme Noire, ça va faire plus ou moins un an et demi qu'on existe, et on est spécialisé dans le feu, pratiquement. Alors, il y a quand même une confiance mutuelle, vous entendez bien, c'est un petit peu l'harmonie. Dans ce genre de discipline, on va dire que oui, on est obligé d'avoir une confiance mutuelle, vu qu'on manipule du feu, donc la confiance est vraiment de mise. Alors en termes d'activité, vous l'avez dit, il y a le feu, mais aussi les lumières, ça dépend de la météo bien évidemment. Ça va dépendre de la météo. Si malheureusement la météo n'est pas très clémente avec nous, le vent, la pluie surtout, le feu, c'est net. On a quand même du LED, donc des instruments prévus pour, et de la déambulation en costume. Pirate, steampunk, et vous allez voir, c'est pas mal ce qu'on vous a prévu après. Magnifique, justement, je passe à la météo et on se retrouve après pour une petite démonstration. Salut. Salut, salut. Les amis, en attendant, place à la météo, c'est parti, cette fois-ci en compagnie de Marilyn. Salut Marilyn, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, si j'ai bien compris, vous allez être présent au Festival Troll et Légendes. Oui, c'est ça, ce week-end. Et Cavalcade de Jemap? Oui, le 1er avril. Donc ça va quand même faire du boulot, ben, c'est lundi. Déjà, je n'ai plus qu'à dire place au spectacle parce que je pense qu'elle fait de très belles choses avec le feu. C'est parti? C'est parti. C'est parti. Eh bien, ça y est, chers téléspectateurs, c'est ici que se termine cette nouvelle émission de Juste à temps sur TLMB, assez surprenante. Merci donc à La Flamme Noire, chouette collectif, pour leur superbe spectacle. Attention, j'insiste, situation à ne pas reproduire. Ils sont expérimentés, sans mauvais jeu de mots, on ne joue pas avec le feu. Il est temps de vous souhaiter déjà un très bon week-end. On se retrouve lundi en pleine forme dans une nouvelle émission de Juste à temps sur TLMB, votre rendez-vous météo préféré. D'ici là, portez-vous bien et surtout, passez d'excellentes fêtes de Pâques. À bientôt.